Et bonjour à tous les amis, c'est Capi, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve donc pour la sortie de la 2.17, donc l'arrivée des multiman. Donc je vais découvrir tout ça avec vous sur le serveur officiel. Donc là je viens de me connecter et je vois que je reçois déjà le cadeau ombre, donc ça c'est super. Donc on va attribuer le cadeau, on va aller sur le roublard. Malheureusement je suis pas à niveau 199, je suis vraiment pas loin, je dois être à 30 millions. Alors là, vous le voyez pas, mais sur le côté, je viens de. Enfin, si, ici, vous le voyez, je viens de débloquer deux autres succès. Qui n'est autre que les 500 points donc pour avoir le chevalet d'Astrub et alors les 1000 points de succès pour avoir Corbax et Mas. Donc, ce qui fait que j'ai déjà 4 multiman. Donc, comme j'avais regardé. Celui qui m'intéressait le plus, c'était Ombre. Bah, on va le garder pour un petit moment. On les essayera tous, hein, vous inquiétez pas. Par contre, tant que vous êtes là, je vais vite faire. Tout est vers l'intérieur. On va vite regarder le cadeau de l'Almanax parce qu'on est vraiment pas loin du 199. On est à 25 millions, voilà. C'est encore moins que ce que je pensais. Et ouais, je devrais, si je m'y mets un petit peu aujourd'hui, je devrais être 199 sans souci. Et je pourrais enfin mettre mes bottes létalines. Il y en a sûrement qui vont dire, bah, comment ça se fait que t'as déjà 6 PM, tu devrais mettre les bottes. Eh ben non, j'ai mis les bottes de classe. Donc il retire un PA à bottes, un PA à rémission. La ligne de vue de Tornabombe mais augmente la pote Tromblon. Donc j'ai toute la panneau de classe, hein. Je l'ai racheté, je me suis dit que ça pourrait servir. Alors c'est quoi 3 dents de dragodinde? Ça coûte pas cher. Donc on va aller le chercher. La banque. Normalement je dois en avoir. Donc c'est un épisode freestyle, hein, comme l'autre fois où je joue tout simplement. Je fais un petit peu ce que je fais tous les jours. Comme ça vous voyez comment ça se passe. Dragodinde, dents de dragodinde. Voilà, normalement je les ai. Ouais, voilà. On va déposer le merdier. Donc, oui, j'ai fait le donjon de Nelwyn hier. Et franchement, c'était pas bien compliqué. Hein. C'était juste des Ouguinac, des Scorbuts et des choléras un petit peu améliorés. Mais franchement, c'était pas compliqué du tout. Allez, on va rentrer ça dans la banque et alors on va vite tester tant qu'on est là le nouveau système de recettes. Donc il y a un petit bouton là, je vais vous le montrer qui est vraiment génial. Donc il est ici, recettes possibles. Donc quand vous quittez ça, vous faites recettes possibles et vous voyez tout ce que vous pouvez créer avec ce qu'il y a dans votre banque. Moi par exemple. Ah bah je suis censé pouvoir créer une clé de l'antichambre des Gloursons. Bah j'apprends des choses. Des clés Royal Moot, des clés multi, des essences de multicolores, des cabras noirs, je peux en faire 3. Pas mal. Masque Orailleur. Je peux faire une panoplie Coco Royal complète, des capes de classe. Des bottes Mulu, des capes Kitsu, des coiffes Kitsu. Mais que je réfléchisse, le métier tailleur c'est sur mon yop. Je peux faire aussi des quoi là, des quoi-liances, des blob-tur coco, des bottes de Bowis, des caponado. Je peux en faire une. Je peux faire pas mal de trucs, c'est sympa. Une coiffe bouffe cool. Ça, je la ferais bien juste pour le swag. Là, je peux faire pas mal de trucs en fait au final. Bon, pas des trucs très haut niveau, mais on s'en sort pas mal, je trouve. Rhizome doré. Ouais, bof, 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 bof. Regardez, amulet, je peux faire ça. Arc, je peux faire ça. Baguette, non. Regardez, chapeau.
Ah, je peux faire une coiffe. Une coiffe. Je peux en faire pas mal en fait. Ah, c'est pas mal, franchement. Ce petit truc, ça va vraiment changer la vie sur Dofus. Parce que déjà, quand vous voulez maintenant créer un item, bah, vous avez plus qu'à vous mettre dans votre banque et il va prendre automatiquement tous les objets dont vous avez besoin. Donc ça c'est cool, parce qu'avant ça arrivait souvent qu'on oublie un truc et que... Comment ça se fait que j'ai autant de vie, moi? Il me donne des trucs? Non, c'est pas possible. J'avais pas 3900 avant. C'est bizarre. Je gagne... Ah si! Oui, il y a les trophées qui ont été revus. Donc celui... le survivant majeur maintenant il donne 160 de vitalité. Et alors, il y a les succès émeraudes qui sont normalement open. Les verres émeraudes, voilà. Trouver voir le Dark Vlad. Ah ouais, mais par contre, maintenant on ne sait pas où ça démarre ces trucs-là. Parce que je veux bien, mais. Ça ne nous dit pas grand-chose. Bon, valait. Je vais essayer d'attendre, je sais pas moi, genre demain ou quoi, qu'il y a des gens qui commencent à mettre le... Où commence la quête. Au pire, je commencerai, mais je pense que je vais aller faire. C'est aller parler au capitaine Amakna pour pouvoir aller dans la base des multiman. Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs à faire. On va vite faire l'almanach, comme ça on sera à 23 millions. Même 22 peut-être. Ouais, 22 je dirais. Parce qu'on XP 2 millions 3, 2 millions 4 à chaque fois, donc je sais pas trop. Compatir, réprimander, demander à quoi ça sert, écouter la suite, voilà. Je prends jamais la peine, moi, de lire ce qu'ils me disent. Et alors aussi, il y a l'île de Noël qui est open. 2 millions 6 que je prends, ouais, donc 22 millions. Alors, elle est où l'île de Noël? Je sais jamais, ah, elle est là. Elle est ouverte. Donc on va faire un peu tout, hein. On va aller aussi voir, c'est le nouveau donjon. Donc le... celui qui est là. En dessous d'Amakna. Avec la crevasse. Putain, elle est où? Elle est où? Là, le patrimoine de Ombre. Donc on va aller ici. On va aller voir la base des justiciers. Et puis après, on redescendra, on ira voir un petit peu comment ça se passe, on ira tester un mob. Alors, le coin des bouffetous. En plus, il y a des nouveaux putsch. Avec ça, ils sont trop stylés. Ils ont la... Ça change rien, hein, mais ils ont la tête de certains multiman, de certains. Des pioux, des monstres et tout ça. Franchement, c'est sympa. Ça change de taper sur un bête punching ball, quoi, j'ai envie de dire. Pour les vidéos, ça fera mieux. Attends, et là, il y a un truc. Ah oui, Dame Hôtesse, c'est elle. Demandez combien coûte un compagnon. Demandez un compagnon. Voilà, il m'a donné Corbax. Je l'ai déjà. Bon, bah, c'est Corbax qui est gratuit cette semaine. Donc, Dame Hôtesse, c'est là que vous pouvez avoir les multimans gratuits. Hein. Voilà. L'autorisation, adressez-vous à un employé du Kenjudo pour en savoir plus. Demandez à descendre sous-sol. Pointez sur une boussole le capitaine Amakna. Et allez, on va vite y aller. Parce que j'aimerais bien aller voir, n'empêche ce qu'il y a en dessous. Parce que j'ai vu juste des images sur la vidéo de Gugus qui le montrait. Mais apparemment, il y a des quêtes et tout ça. Donc j'aimerais bien aller voir. Allez, on s'est pas loin. Normalement, c'est à l'autre Kenjudo. Si je me rappelle bien. On n'a toujours pas cessé notre multiman. Mais ça va venir, ça va venir. Allez hop, c'est juste au-dessus. Voilà. Écoutez la suite, accepter.
Oh, on doit buter des gens. C'est génial. Alors, il y a quoi à l'intérieur sur les justices et les grosses morts? Tu n'as même pas encore fait tes preuves. Et alors, c'est quoi l'autre truc? On peut sur lui s'en aller. Et Burki. Bon, on peut rien faire. Bon, on va vite fait tuer ces petites bestioles. Vilgredine. Lui prouver qu'elle se trompe. Ah merde, on peut pas envoyer ombre, bien sûr. Comme c'est un combat fait. Ah ouais, 2700? Elle est sérieuse là? Non, Doudoum. C'est quoi ces dégâts ignobles? Allez, on va la caler dedans. Elle peut bouger, sans souci. Par contre, c'est bizarre qu'elle puisse faire extraction au corps à corps comme ça. Normalement, c'est interdit. Mais c'est pas grave, on va rien dire. On va faire ça. Et on va faire ça. Et le chauffeur, il est au taquet, le garçon. N'empêche, elle prend masse dégâts. On va faire ceci. On va faire cela. Encore ça. On va au cac. Et boum! Et voilà, il n'y a plus de Vilgrudine. 910 000 XP. Ah ben ça va nous faire XP comme ça. Par contre, j'ai plus de pain. Merde. Gardienne des égouts. Dofus émeraude. Ah ouais, il coûte cher maintenant. Oh punaise. Ça a changé. Il y a des moments, ils étaient à 5-6 millions. Ça coûtait vraiment plus rien. Mais le gars, il a mis tout son stuff en vente. Cranopéa, sert toujours. Putain, il n'y a personne. Bon, en même temps, vous allez me dire, il y a tout le monde qui est en cours, mais. Leçon 1. Non, désolé. Alors, où est-ce qu'ils sont les autres? Oh, ça va, ils sont pas loin. Mais je n'ai plus de pain. Il y en a peut-être sur la DD. Eh ben non, il n'y a rien. J'ai rien que je peux bouffer. Non mais tant pis, on va l'en racheter. Hein. Quand il faut. Hein. J'en prends par 400, 500 en général. Donc je reste un petit moment avec. Mais c'est vrai que là pour le moment, j'en utilise beaucoup moins. Mais quand je fais des conneries, en fait, j'en utilise la masse. Alors, pain de blé. Oh oui, 1600, ça va. On s'en sort bien, n'empêche. Allez, on va en prendre 500. On va retourner au canot jet d'eau. Voilà, buter les petits connards. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Allez, celle-là au-dessus. Allez, hop, 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 hop. Allez. On va battre un méchant garçon. Il faisait pas mal de dégâts, n'empêche. Hein. Ah, bah c'est. Des frappes. Montrer à ce Navo qu'ils vont avoir peur. Ah, il y en a deux maintenant. Mon dieu, il y a des chalets et tout en plus. Oh, merde, j'ai oublié de reprendre ma vie. Bien joué, bien joué. Mais comment il me fait des dégâts quand il la lance? Je comprends pas. Il y a des petits bugs encore à soigner les gens, hein. Il a mis poudre. J'aurais pas assez de PA. Donc on va faire ceci. Non, on va faire ça. Ça.
Et on revient où je me mets d'habitude. Non, on va laisser là. On va faire une rémission là-dessus, puisqu'on n'a pas pu la soigner. Pourquoi il fait tout péter? Allez, pourquoi, franchement? Est-ce que je fais tout péter, moi? Non. J'attends un petit peu. Voilà, j'attends que vous utilisiez tous vos sorts. Une fois que vous êtes bien mis, bim! Lui commence à être bien mis. On reprend un peu de vie. Je sais bien que c'est une technique pas comme les autres. Hein. N'empêche comment je joue mon roublard pour le moment. Mais franchement, je gère pas mal de trucs. Avec un stuff qui coûte pas cher du tout. Alors, on va faire ça. Non, on va rester. On va faire comme le combat avant. On va se booster grâce à ça. Il va se faire défoncer, le pauvre. Il faut que je fasse gaffe à ma vie. On va se barrer super loin. Voilà. J'aurais peut-être dû mettre même une bombe. On va passer en mode régène. Mets trois bombes et hop, on go au bâton Thanos. Voilà. Encore un petit tour. On se planque derrière. On va attendre qu'ils viennent. On peut encore le faire un petit tour. J'aimerais bien qu'ils viennent près de moi. Ça, je peux faire une. Mais il vient tout seul, c'est parfait. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Et on fait boum. Oh genre, il est pas mort. Et non, je veux pas utiliser de pain, hein, donc... Bot me revient à 1 PA avec les bots de classe. Donc peut-être si je fais ça. Non, ça change absolument rien. Rien du tout. Mais regardez, il y a un bug. C'est pas normal qu'il fasse des dégâts et que sa bombe ne pète pas. Sans MP. Oui. Nanana. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Tac, tac. Allez, boum. Voilà. Toi, tu meurs. Bientôt ce sera fini, hein, pendant que je prépare mes bombes, ta ombre il va aller dans le cac. Tu as le temps de t'occuper. Je filme. Alors le dernier, il est là. Un méchant garçon. Cette fois-ci, on va reprendre notre vie quand même. Il est où? Oh, un roublard. Mais j'avais déjà fait cette quête, que je pense à ça. Bizarre. J'ai déjà fait un truc dans le genre, en tout cas. Oh putain, les dégâts qu'il met. Mon Dieu, on va se casser très très loin. Nanana. Mais regardez ça, c'est abusé! Tu vas aller là et on va se replanquer, hein, parce que il est un peu on fire, lui.
Bon, je vais être obligé de faire ça parce que sinon elle va pas durer longtemps, ma bombe. Ça va, il fait plus de dégâts. Donc ça, c'est bon à savoir. Normalement, là, s'il a la Diego, il pourrait m'avoir. Donc, je me décale un petit peu. C'est pas grave. On va le faire tourner en bourrique. C'est pas moi. Eh ben si, c'est moi. Genre, il m'a trouvé. Bim, dans le mur. Et voilà, tu meurs très très fort. Oui, 110 000, plus que 20 millions. Peut-être si j'arrivais à le faire dans la vidéo, comment ce serait épique. Passer 199 après 2 ans et demi. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le sort foudroiement. Ah, on peut l'avoir là. C'est vrai, ils avaient dit qu'ils allaient changer ça, qu'on pourrait le voir sur la carte. Bah ben, ils l'ont fait, c'est bien. Voilà, Captain Amakna. Allez, 2 millions en plus. Mener l'enquête, prendre la direction du bateau. J'aimerais bien aller. Yes, on peut aller. On peut y aller. Il est écrit qu'on peut y aller, hein. Après, on ira faire ça, parce que ça ramène pas mal d'XP. Mais on va aller voir la base des justiciers. C'est où déjà? Ça va, c'est par là. On peut continuer en diagonale, on tombera dessus. Tous les mêmes, ben il y en a marre. Voilà, on y est presque. Allez, 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 allez. N'empêche, j'ai découvert que les quêtes, ça pouvait tellement ramener de l'XP. Allez, rentre dedans. Et voilà. Normalement, on peut aller dedans. Oui! Alors, découvrir la base des justiciers. 6 000 XP. Ouais. Qu'est-ce que tu veux, Lumino? Savoir davantage. Il n'y a pas besoin d'aide. Un peu plus sur ombre. Accepter. Allez voir le capitaine Amakna. Ouh là là, c'est quoi ce machin? Obscurantus globulum. On va visiter un peu, là il y a masse. Toi jeté. C'est l'équivalent du sacri. Là il y a Squall. Demandez s'il y a besoin d'aide. Accepter. École fantastique. Former une recrue. Et comment je fais? Lui, recrue explosive. Alors, je vais t'emmener jusqu'à lui, dis-moi tout simplement. Hein. Oh, j'y vole. Mais il est où? Les évaluations ne concernent que les recrues, elles consistent également en un outil pour déterminer si votre niveau d'enseignement est suffisamment. Cette fois, sur le métier, tu rencontreras ton ouvrage. C'est la meilleure façon de progresser. Contrairement à ce qu'on imagine, être un justicier doté du don d'ubiquité n'est pas du tout un repos. De don nourrit les fantasmes. Moi-même. Et je fais quoi? Et une tomate. Oh! Oh! Jette mauve. Y a rien d'autre ici. J'aimerais bien savoir ce que je dois faire, s'il vous plaît.
Recrue brigandine. Ah ben voilà, comment on appelle la recrue brigandine. Pourquoi il veut pas le lancer? Ça bug. Je comprends pas trop, hein. Recrue brigandine, lui c'est. On doit tuer le Zatoichuan. Oh, putain, il a masse dégueu. En espérant que ça fonctionne. Oh putain, les dégâts! Oh! What? Il lui a fait du 1300. Ah ouais, quand même. Heureusement qu'on a Lenny. Et je peux toujours pas utiliser mon multiman, c'est génial. C'est super, hein. Ça fait 25 minutes que j'attends et je peux toujours pas l'utiliser. On va aller soigner le SRAM. On va booster les gens. Putain, en plus il prend des dégâts et... Oh, putain, c'est pété ce truc. Je sais pas. Je ne sais pas c'est quoi la glyphe, mais en tout cas on va le laisser dedans. Un truc qui pousse. Ça va être tellement chaud de le battre. Le pauvre SRAM. Ça va, il a pris moins de dégâts quand même. Mais moi aussi je prends des dégâts. Mais c'est quoi ça? Vous voyez, hein? Quand je vous dis que je peux faire n'importe quoi à chaque fois, on me reconnaît. C'est pas moi qui invente, hein. Bon, je pense que c'est R. Ah ouais, ça repousse. Sol glissant, recrue. Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout? On va le soigner un petit peu. On va rebooster. Le SRAM. Il a la coiffe du corbeau noir. Il est trop stylé, je trouve. À mon avis, il est un mimidiote. Je vais lui demander. Il passe bien, n'empêche, avec sa DD armure et tout. Tellement pas de dégâts. Et moi je prends tellement cher. Allez! Je me fais défoncer la gueule. À l'aide. Mais c'est pas en faisant des petits soins comme ça que tu vas me sauver la vie. Un peu vers un souffle. Mais non! Dans l'autre sens! Lui, il a pas compris que je voulais le mettre dans la glyphe en fait. Bien!
pas grave, on va le mettre dedans quand même. Mais il prend pas de dégâts. Na 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 na. Il prend rien. Et en plus, il renvoie les dommages. Ah ouais, non, il prend vraiment que dalle, quoi. Piège de silence. Normalement, il va prendre des dégâts. Il prend 65. Moi je marche là-dedans, je me fais one shot. On l'aura jamais, hein, c'est pas possible. S'il va faire un mot de réponse, mais ça va pas aider, quoi, clairement. Ouais. Je vais me taper derrière le SRAM et je vais le soigner. Voilà ce qu'on va faire. Voilà, ça c'est intelligent. Elle fait pas de dégâts, mais c'est intelligent. Mais il est con, hein, lui aussi. Merde, c'est pas ça que je voulais faire! Quel con! Quel imbécile! On va faire ça. Sort de bloquer un peu le passage et on va booster lui et lui et tout le monde. Bon, en tout cas si on gagne, c'est cool, hein. On aura fait une quête super dure directement. 8000 PV, bah ça va je pense en fait. Parce qu'on a deux classes entre guillemets qui soignent. On a Liop qui peut enlever de la résistance, donc au final ça fait pas mal de dégâts quand même. Ah putain, il m'en veut, hein. Il m'en veut vraiment. Il a encore perdu PV, je sais pas pourquoi. Bon, il a perdu des PV, tant mieux. Ah, y a Jupy qui bug. Ouais, je suis dans l'état insoignable, bien sûr. Ouais, j'allais te le dire, tu fais un bon là derrière, bon carry. Bim, ben voilà, c'est comme ça qu'on va l'avoir. Et voilà. Bon, là, ça fait moins de dégâts tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait? Qui a pris des dégâts? Lui, on va le soigner. Là, faut que le Stram bouge bêtement, ce petit con. Et ça bug. Jupy qui bug, voilà. Merde. Il a déco. Ah ouais, non, quand je vous dis qu'il veut ma peau, il veut ma peau, hein.
Ouais, je sais que je suis insoignable, j'ai vu. Voilà, épée carry. Voilà, à l'intimi, il y a moyen, je pense. Ah ben, je suis mort. Tant pis. Bon, il y a moyen de l'avoir en fait, hein, 4000. Ça va. Putain, le SRAM il est tellement mort. Par contre, Lenny, non, faut pas que Lenny crève parce que sinon là on est dans la merde. Ça va, il a pas mal de PV quand même. Voilà. Donne des PA. Il va avoir sa coco. Voilà. Oh, il y a 100% terre, clairement. À moins que ce soit des dégâts neutres et que j'ai dit des conneries. Non, un coco, c'est terre. Peut faire bon coco, ouais, mais ça va pas faire grand-chose. Bon carry, moi ouais, c'est mieux. 3400 PV. PV, il y a moyen, il y a moyen. Faudrait que le SRAM réussisse à reco. Alors là, c'est easy. Putain, il est toujours déco. Il met tout sur les nids. Tout, 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 tout. Allez, Tulle. Mot curatif, ça va. Faut qu'elle se décale. Histoire qu'elle puisse sonner le yop avec, voilà. Ça va normalement. Je dis bien normalement. Ça devrait passer. Chaud, mais ça doit passer. Hein. C'est tendu en tout cas. Allez, Brockle, maîtrise d'armes. Voilà, le SRAM qui reco. Ça, c'est bon. Il a 1900 PV. Oh là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des glyphes à la con. 1700. Normalement, c'est bon, maîtrise d'armes. Voilà, la Yuyette. Tape neutre, donc ça, c'est bon. On peut le faire que deux fois, par contre. Ça devrait passer crème, normalement. Ben non, le double, imbécile. Oh, les dégâts que ça fait, ce truc. Heureusement qu'on est 4, hein, parce que tout seul, je serais tellement mort depuis tellement longtemps. Voilà, Lenny, ici c'est le dernier tour, on y va, on met les dégâts. Un coup de bon, un coup de carry. Et voilà, tu meurs. Il n'y a que lui qui l'a eu. Je sais pourquoi ça fait ça. Je vais demander. Mettre fond du gland. Et il est au fond du gland. Attends, bien à plusieurs endroits à la fois. Je peux t'assurer que toute mon attention se porte sur les évaluations. Non. Non plus. Mais il est où? Je comprends rien, cette quête à la con. Là, si je retourne, il y aura des gens. Putain, je comprends rien. Recruter. Oui, je veux faire le combat. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Oh.
Je pige rien à cette quête. C'est pas grave, on va aller voir par là. Alors, Richard Rouge. Qu'est-ce qu'il y a, scoreur? Non, lui, il fait rien. Alors, Wanted. Le frère Gungan. Gadou. L'hyperscamp. Amie l'empoisonneuse. Donc ça c'est nouveau. Mais on ne sait pas où ils sont. Alors ici il y a quoi? C'est la prison. Gardien des sceaux. La prison, voilà. On dirait un peu Shaco. Bon, bah, y a rien en fait. C'est juste une prison. Et comment je fais pour remonter? Ah, faut remonter bêtement là. Je suis con. Je ne l'avais point vu. Donc en fait, il n'y a rien dans cette base, à part une quête à la con. Alors, juste ici. Récupérer une feuille de formation dans la salle d'entraînement. What? Comment on fait? Dans feuille d'entraînement. Il n'y a personne. Ah, je te protégerai, c'est génial. Il n'y a que moi qui ai découvert ça, j'ai l'impression. Ah si, on arrive ici, d'accord. D'accord. Je veux pas aller là, moi. Je veux aller, on sert plus sans projet. Sans aller. Non, je veux aller à la base des justiciers. Et je veux cette putain de feuille d'entraînement. C'est pas simplement ça. En dimension obscure. Oh putain, c'est ça, feuille de formation. Quel trou de balle! Alors, se rendre dans la salle de combat. C'est là à côté, normalement. Mais non, je vais pas me battre contre Satoshi, t'es fou. Mais il va me défoncer, le machin! Bah ouais, il a 18 000! Oh, l'aide! C'est quoi ces dégâts ignobles? Mais c'est n'importe quoi, je me fais défoncer. On va faire ça. Désolé que je sois silencieux, mais je réfléchissais. Non, ne va pas dedans. Il sert vraiment à rien, ce bonhomme, en fait, hein. Recrue brigandine. En plus, je peux même pas utiliser ombre. Je me casse. Regardez ça quoi, je lui ai enlevé 1000 PV. Ouais. Mais il est vraiment con hein, ce petit-là.
Ok. Je suis mort. Autant essayer de faire des dégâts. Voilà. Je peux rien faire. C'est dégueulasse. Il va me tuer avec son poison à la con. Voilà. Et hop, je suis mort. Ah, il continue de se battre. Et voilà, il se fait défoncer. Et voilà, je suis mort. C'est pas grave, j'ai généreux. Formule. Ouais, mais ça attendra, hein. Je referai ça avec vous. Mon avis, aller voir le capitaine Amakna. On va aller le voir. Moins 2-0, c'est sur la droite. J'ai plein de trucs de quête à faire. Et il me reste 18 millions à avoir. Écoutez la suite. À propos de la légende, rassuré à propos de Bowis. Il est où Bowis? Il est là-bas. Donc on prend la vie, on va aller voir. Que j'ai pas envie d'utiliser du pain. Voilà. 50 points à la poubelle. Alors que si j'avais pris la quête et cette putain de feuille, la quête serait déjà finie. Vous voyez, j'aurais réussi, on aurait rendu, on aurait eu 15 milliards. Félix Noël. Il s'occupe de Zezette Noël. Faut aller au port Madrestam. On ira après. On va vite fait causer à ces gens-là. Et voir ce qu'ils parlent de cette fameuse armée des ombres. Et après, on ira voir. Bowis. Voilà. Je peux échanger. On peut lui acheter ça. Mais non, je veux parler. On doit faire quoi maintenant? Aller voir Richard Rouge. Il est dans la base, ça je m'en rappelle. Non, eh ben voilà, enfin on va le voir, le Ombre. Alors, tu vas me faire des diabolochistes. Bim. Bim. Et tu vas me faire le machin qui tape en zone de la mort. Non, c'est pas ça, c'est ça. Et encore bim. Mais c'est bien en fait parce que Ombre il tape neutre, mais je peux pas l'utiliser. Voilà, bon c'était contre des pios. Il y avait plus dur hein, comme combat, j'avoue que. Que voilà, on va aller voir Richard Rouge. Allez, hein. On va là-dedans. Il est là-dedans, si je me rappelle bien. Voilà. Les trois Richards sur l'île de Frigost. Ah, vous vous intéressez à la question. Richard a fait une très intéressante sur Frigost, mais je crois qu'il a rencontré quelques soucis. Si vous voulez en savoir plus, vous allez devoir vous rendre sur l'île glacée afin de discuter du problème de Richard Rouge. Et il bosse pour le chef Ronté en ce moment du côté du port de Givre. Bah, il doit pas être loin alors.
Alors, le l'île de Frigos, la Bourgade. On va regarder la carte. Le port de Givre. J'ai vu. Ah ben c'est là le port de Givre. C'est plus bas, donc on va faire un petit peu toutes les maps. On verra bien. Avec un peu de chance, on va tomber dessus. Non, les quêtes multiman. Où est-il? Je ne sais pas. Hector machin, près du port de Givre, non. Mousse. C'est s'il est à côté du bateau. Il n'est pas là, on est d'accord. Par contre, s'il est dans les maisons, c'est totalement dégueulasse. Moi, je l'ai fait. Ah, il l'a fait après. On est toujours sur le port de Givre, ça va. Ah, les percos ont changé. On a les percos de Noël, ça c'est bien. Non, il est pas là. Non, il n'y a rien ici. À vendre. Acheter. À combien il la vend? 15 millions, on va te faire foutre. C'est pas que j'ai pas l'argent, mais je saurais l'acheter. Mais bon, 15 millions pour une petite baraque à la con comme ça. Clairement, je dis non. Non, 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 non. Le port de Givre. On va longer les côtes et puis après on remontera. Zombie la mousse n'est pas là. Il n'est pas là. Toujours port de Givre. Limite, je vais regarder. La quête s'appelle l'armée de l'ombre. On ne sait jamais que quelqu'un l'ait déjà fait. Alors, Dofus, quête, l'armée de l'ombre. Les quêtes des justiciers. Non, ils l'ont déjà fait. Oh, terrible. Il y a un mec qui a déjà fait les screens et tout. Alors, il est en moins 77, 38. Moins 38. Alors, moins 77, 38. Ah, bah bien sûr, il est à la taverne. Ce vieux Clodo. Ce vieux Clodo de Richard Rouge. I wanna kill and run. Some ghost I win and run. Salut! Super salut! Moins 77, moins 38. Donc maintenant on descend. Alors faudra après aller récupérer la sacoche sous le lac gelé. Aller là-dedans. Putain, c'est vachement long ce truc à la con en fait. Ah ouais, il faut vaincre Ombre. D'accord. Oui.
Le Goldorak. Je regarde s'il n'y a pas la quête qu'on pourrait faire. Hein. Non. Voilà, le vase des justiciers. Il est bien ce petit site. Alors on va peut-être mettre Dofus quête, Dofus émeraude. Alors quête ocre, non. Dofus émeraude. C'est pas ça. Ah, quoique. Non, il est pas sur les trois bandits. Et il est où, Richard? Il est censé être là. Oh mon Dieu, il est pas là, il se fout de notre gueule. Bon, il n'y a pas encore pour le Dofus Emerald. Tant pis. Bon, on peut pas. Malheureusement, on ne peut pas. Attendez, comment on fait? Nanana. Ça, on a déjà fait. Le Dramac, on a déjà fait. Ça aussi. Ça aussi. Non, j'ai pas fait tout. 18 millions, il me reste. Allez voir Richard Rouge. Ah, Free Ghost. Alors, former la recrue. Bon, ça, on peut pas le faire. Former une recrue, puis. L'école des fantastiques. C'est lequel, ça? L'école fantastique. Alors, faut faire ça. Ben non! Ah, d'accord. Non, c'est quelque chose de pourri dans le royaume de Macna. Mais ça a l'air facile à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pff, pas envie de faire ça, moi. Oh. On va aller tester notre ombre. Voilà. Je vous le dis, moi. On va trouver un donjon à faire. Je sais pas moi, où j'ai pas encore fait les succès par exemple. Le Koulos, laisse tomber. Le Dramac, j'y arrive même pas avec mon Zobal, alors j'imagine pas avec Ombre. Tant qu'il court, ah non. Le multi avec Hardy. Ça peut le faire, hein. Si je prends le chevalier d'Amakna avec. S'il tape neutre, il peut dégommer tout le monde en fait. Allez, on va aller là-bas. On va aller en moins 20, moins 20. Et on va aller le tester dans le donjon développe et le multi. Même si je pense qu'on peut aller directement au multi maintenant, mais je sais plus si ça a été patché ou s'ils l'ont remis comme avant. On va aller vite faire mon donjon préféré. Au pire, on switchera, on prend un multiman par. Par salle, et puis voilà quoi. En plus, c'est XP vraiment bien. Ah, oui, ça c'est bien maintenant. Il suffit d'appuyer sur Z et vous voyez tous les combats qu'il y a sur la map. Donc là, l'XP vous pouvez avoir et tout ça, ça c'est cool. Par contre, je comprends pas. XP en groupe. Et si je l'enlève? Ah putain, ça divise l'XP. D'accord. Ah ouais, ça compte vraiment comme une personne qui est avec vous en fait. Ça, je découvre en même temps que vous. Donc quand vous avez un multiman, vaut mieux regarder les niveaux de groupe par rapport. Enfin, regardez l'XP groupe que l'XP solo en fait. D'accord. Eh ben non, on doit faire directement tout le donjon. C'est pas grave, ça ira vite. On va commencer avec Ombre. Hein. Alors, Ombre, tu vas venir ici, Ombre.
Alors, on met en place les bombinettes. Voilà, comme ceci. Tu vas commencer avec ton diabolochiste. Pef. Ah merde, on peut pas le faire deux fois. Voilà, il est mort. On brolingo. C'est un truc qui attire, ça. Ah mais non, ça fait juste des dégâts. Limite, on va faire colère noire. On va le booster. J'aurais peut-être dû taper en fait. Donc il va prendre des dégâts. Sa vengeance nocturne va se booster à mort. Moi, je vais le taper avec la flammiche comme j'avais montré dans la vidéo. Voilà, ça monte toujours. Il perd des résistances, mais là, il va faire un coup. À moins 8000. Qu'est-ce qu'il peut faire? Un petit peu dégueu. On va faire ça. Voilà, il le tape, ça c'est bon. Donc là, on va aller. Vengeance nocturne. Bim. Merci d'être venu. Au revoir. Alors qu'est-ce que je peux encore faire? Deux fois. Ça, je peux faire 0. Cartillage 0. Ça, je peux faire une fois, mais je sais pas si je vais le one shot. Est-ce que j'ai toujours le boost de puissance? Oui. On tente. Non, on le tue pas. Eh ben dommage. On n'aura pas le tchal, hein, tant pis. Et voilà. Alors, si on peut, on va prendre masse. Attendez, non, j'ai quoi? J'ai masse, corbac, cheval d'armac. Quoique lui, il peut aller pas mal puisqu'il y a beaucoup de PM. Oh, on va prendre masse. Allez. Merde! Je voulais pas le renvoyer. Je veux que tu changes de place avec moi. Voilà. Alors tu vas là, toi. On va te bloquer le passage. Alors masse, je sais plus trop les sorts qu'il avait. Alors il y a un machin pour intercepter les dommages, ça je me rappelle. Ça c'est le truc qui tape en zone. Il y a un machin pour échanger les positions, ça je sais. Voilà, c'est ça le sort que je cherchais. Pirouette. Paf. Un petit coup de bûchette. Paf. Un petit coup de Marbus fractus. Paf. Et voilà. GG Noreux. Masse, franchement, il est vraiment super bien ce. Perso, il tape en zone, il vole de la vie. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Et boum. Voilà, il n'y en a plus. Et masse, il va se faire plaisir. Il tacle pas mal en plus. On va faire ça. Bim. On va faire un petit coup de déflorage. Non, c'est pas ça. Pirouette, on peut pas le refaire. Faut le temps que je m'habitue, hein. Après ça ira super vite parce que je me rappelle plus encore des sorts. Faudra que je fasse attention. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait l'agresser? J'ai envie d'essayer en fait. Ça coûte rien si on meurt. Est-ce que j'ai assez d'énergie? Oui. Ah bon, on va l'attaquer.
Et on n'a pas les multiman. Allez, faites qu'il n'y a personne qui rejoigne. Par contre, si on le tue, on va être méga full pod. Donc, je devrais mettre tout sur la DD. Allez, faites qu'il n'y a personne. On perd quoi? Oh mon dieu! Super, salut! Au revoir! Oh putain, on peut pas vendre. Ah, c'est plus un poney, non. Un caribou. Allez, lance le combat que je puisse me cacher. Salut. Qu'est-ce qu'il me fait? Tiens, pef, moins 9, moins 8. Il a pas beaucoup de vie en plus. Oh, le poney, il est avec nous. Bah oui, il est avec vous, le poney. Boum. C'est pas tout ça. Ah! Regardez un poney! Où ça? Où ça? Où ça un poney? Ah putain, je suis mort complètement. Putain, j'ai perdu masse énergie. Oh mon dieu. Je attaque nos percos. Eh putain. Bon, c'est pas tout ça. Mais moi, je vais bientôt aller manger parce que je stream à 13h. J'ai reçu une clé bêta Hearthstone, donc je vous ferai peut-être une vidéo de dessus pour voir si vous aimez bien. Bah, j'espère que ce petit mode freestyle vous a plu. J'en referai souvent, vous inquiétez pas, quand j'ai envie de jouer, je filmerai comme ça vous voyez un petit peu ce que je fais. Donc on est bientôt niveau 199, 18 millions. On a 4 multiman. Pourquoi il se met pas à lui? Bah. Il n'avait pas envie. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Oh, tant pis. Donc par contre, on va faire vite fait, c'est des équipements avec... Ben non, on fera ça une fois qu'on aura les bottes létalines. On fera des équipements rapides avec les multiman, comme ça sera plus vite. Bon, c'est pas tout ça, je vous remercie de regarder la vidéo les amis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, salut à tous!